Et salut à tous, très chers animatroniques, c'est Freddy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas mis mon truc parce que j'ai plus trop envie de la mettre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo pour vous dire que j'ai un énorme problème en ce moment. Ça devient très compliqué. Je sais que là, je suis puni. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire une chose très, très importante. Parce que franchement, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché cette vidéo là que j'ai regardée. C'est une vidéo de Golden Fredix qui dit que j'ai plagié Bubble Snap sur ma vidéo des 50 abonnés, donc quand j'ai voulu en taille Freddy. Franchement, déjà de 1, la qualité c'est vraiment de la merde, je le reconnais parce que je n'étais pas chez moi, donc du coup j'ai dû m'installer quelque part. Donc voilà, bah, après quand on n'a pas les moyens du bord, hein, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc voilà, je vais vous laisser comparer, enfin je vais vous laisser regarder la vidéo, une petite partie. Hein. Bien, c'est parti. Donc tout d'abord, nous allons parler d'un sujet. Alors, tout d'abord, pour ceux qui coulent, qui ne savent pas c'est quoi le plagiat. Donc le plagiat, c'est quand tu recopies quelque chose à la lettre. À la lettre, j'ai bien dit à la lettre. Et aujourd'hui, je viens de découvrir une chaîne qui a plagié Bubble à la lettre. À la lettre. Donc ce youtubeur vient d'avoir... Quoi ? Ah, changement de programme. Il a... Bon, d'accord. Donc c'est un youtubeur qui a eu ses 80 abonnés. Mais il avait fait une vidéo, il avait eu ses 50 abonnés. Parce que oui, cette chaîne fait du plagiat. Et en plus, elle gagne des abonnés. Donc déjà... Un point négatif, c'est que c'est totalement n'importe quoi. Le mec plagia et personne ne dit rien. Bon bref, regardons cette vidéo. Et après, comparons la vidéo de Bubble. Regardez. Attends. 56 abonnés. D'accord. J'ai une bonne ordre. Et voilà, donc on arrive à un point où le plagiat est énorme. Donc maintenant, regardez la vidéo de Bubble. Attendez, c'est 54 abonnés, mais... J'ai évolué en Toy Freddy. Ouais, le plagiat est très très gros là. Ouais. Donc cette chaîne déjà, je vais pas la citer, même si là vous avez le nom. Bon, si les théories de FNAF, franchement, je vous aime bien, mais s'il vous plaît, arrêtez de plagier des gros youtubeurs. Voilà, la vidéo est terminée. Bon, c'est vrai que c'était un peu monté. Ouais, franchement, là, vous avez vu que j'ai copié Bubble FNAF. Donc, si Bubble, tu regardes cette vidéo, désolé, vraiment, vraiment, désolé à toi. Je ne voulais vraiment pas te copier. C'est juste que, en fait, tu m'inspires tellement, tellement je t'adore. Tu m'inspires. Je te plagie pas vraiment. Par exemple, sur ma chaîne principale, je fais une série comme toi. Mais ça, je t'avais déjà parlé sur Skype. Je t'en avais déjà parlé sous le nom de ma chaîne principale. Enfin, sous le nom des théories de FNAF sur Skype. Donc, tu réfléchis toujours pour la série. Écoutez, les animatroniques, je suis vraiment désolée pour Bubble, mais je vais devoir vous laisser. On se retrouve très très bientôt. Allez, ciao, bye bye, à plus.